Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la recette du bo bun. C'est une recette vietnamienne et je vais vous présenter donc les ingrédients nécessaires. Alors, je vais vous présenter les ingrédients pour préparer le bo bun. Donc, il faut du bœuf que vous faites macérer dans l'ail, le nhoc mam et le soja. Ensuite, il vous faut du vermicelle de riz, donc que j'ai déjà cuit et goûté et arrêté la cuisson avec l'eau froide. Il vous faut également des germes de soja que j'ai bouilli aussi pour enlever l'amertume. Les nems. Il va falloir un oignon pour faire frire avec la viande. Et les légumes. Donc il y a deux carottes plus un concombre qu'on a découpé en julienne. Vous avez également de la menthe. Ici, vous avez de la coriandre. Ici, des cacahuètes concassées. Et puis, la sauce qui va venir s'ajouter donc au plat. Voilà, donc après, on va passer en mode cuisson de viande. Et après, préparation des bols. A tout de suite. Donc, pour préparer le bo bun, il va falloir au préalable préparer du vermicelle de riz. Donc, le vermicelle de riz, vous le trouvez dans le commerce, dans le rayon des produits asiatiques. Et donc, je vais faire bouillir les vermicelles pendant 6 minutes dans l'eau très chaude. Donc, le bout, donc je vais mettre mes vermicelles et on fait attention de ne pas se brûler. Voilà. Voilà, alors la proportion, j'ai mis à peu près 300 grammes pour 4 personnes. Ça bout, on va attendre encore quelques minutes. Donc j'ai fait bouillir les vermicelles, je les ai égouttées, je les ai ensuite mis dans le saladier. Avec de l'eau froide et des glaçons pour arrêter la cuisson. Le bo bun, il faut préparer une sauce. Donc, la sauce, il va y avoir de la carotte. Je vais y mettre donc 4 cuillères à soupe de nhoc mam. C'est important, faut noter. Une. Deux. Trois. Et 4. Ensuite, je vais y mettre 4 cuillères à soupe de miel. Une, peut-être en mettre que deux. Non, on va faire la recette. Une, deux, trois. On va mettre trois. Donc ensuite, j'ai mis le miel. Maintenant, je vais mettre du citron. Donc là, je vais prendre une autre cuillère. Donc du citron pressé, hein. Donc 4 cuillères à soupe de citron. Alors vous pouvez prendre du citron jaune ou vert à votre convenance. Voilà, donc ensuite je vais y mettre un petit peu de sauce de sésame. 2 cuillères à café. C'est l'huile de sésame. D'accord. Voilà. Hop. Et puis, parfois c'est tout. On va mettre un petit peu d'eau après. Je vais quand même mélanger. Voilà. Je vais rajouter un petit peu d'eau pour faire un petit peu de quantité aussi. Donc, je complète avec de l'eau. Voilà. Donc, la sauce est prête pour le bo bun. Suite. Alors maintenant, pour la suite de la recette, pour le bo bun, nous allons faire frire quelques nems qu'on va couper ensuite en deux pour mettre dans la préparation. Donc là, j'ai mis un petit peu d'huile à chauffer. Alors on va surveiller hein, parce que c'est pas très, pas que ça grille. Voilà. Surveiller. Voilà.
Donc on va passer au dressage donc du boboun. On va préparer donc dans un bol la présentation. Donc là, on va commencer par y mettre la salade. Voilà. Ensuite, nous allons prendre un peu de concombre. Ensuite, nous allons prendre des germes de soja. Voilà. Okay. Et puis, on va y mettre donc les vermicelles de riz. Voilà. Et puis, les carottes. Ça fait un petit mélange de couleurs. Voilà. Voilà. Et ensuite, nous allons y mettre la viande. Alors, on va faire revenir la viande. Je vais faire un petit peu de bouche. Je mets un peu de poudre de manioc pour essayer. Alors c'est du bœuf, donc ça cuit très rapidement. Hein. Donc c'est en fonction du goût des gens. Il y en a qui aiment le bœuf saignant, d'autres qui l'aiment moins saignant. Donc c'est la cuisson, vous l'arrêtez au moment où vous jugez que c'est à votre goût. Donc là on fait frire les oignons pour ensuite mettre la viande. Voilà, donc les oignons sont cuits, on va y mettre la viande. A tout de suite. Et voilà, donc la viande est cuite. Donc maintenant, on va mettre la viande que nous avons fait revenir dans l'huile avec les oignons. Donc voilà, on va mettre dessus. Voilà. Hop. Ensuite, on va mettre quelques feuilles de coriandre par-dessus. Voilà. Ensuite, on va mettre quelques feuilles de menthe pour faire une petite décoration. Voilà. Et ensuite, je mets les cacahuètes concassées par-dessus. Voilà. Le boboun est prêt.